C'est un rituel de passage qui fait toujours du bruit. Alors imaginons la même scène avec des proviseurs. Dans le rôle du premier de promo des lycées généraux et techniques, cette année, il y aurait les Augustins à Pontarlier. Juste devant Friant à Poligny, le seul lycée public à se classer dans le top 5, un club décidément très privé, le Géant Pergaud, est sixième. Côté lycée pro, le lauréat, c'est Claude-Nicolas Ledoux à Besançon, talonné par Sainte-Marie-Alons et Ferdinand Fillot de Saint-Amour. Grand oublié, la Haute-Saône ne place qu'un seul lycée dans les deux top 10 à Lure. Mais tout comme le bac, ce classement n'a qu'une valeur relative. Certes, le taux de réussite au diplôme y est pondéré par le nombre de mentions, d'élèves et le taux d'échec depuis la seconde, il n'empêche, et le rectorat est le premier à le dire, la comparaison objective est impossible, un peu comme un taux de réussite de 100% au bac.